Bonsoir à tous. Enfin, bonsoir, bonjour. Ça commence bien. Je me présente, je m'appelle Gaëlle Borgia. Je suis journaliste pour les médias internationaux télévisés. Je suis indépendante, je suis journaliste indépendante, freelance. Et je travaille principalement pour France 24, TV5 Monde, l'agence France Presse, parfois la BBC et d'autres. Donc je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà si vous suivez un peu l'actualité politique. Je suis donc d'origine malgache, donc je suis franco-malgache en fait. Mes deux parents sont malgaches, mais je suis née en France et je me suis installée ici en 2011 pour être journaliste. Voilà, pour mon parcours un peu personnel, et donc ça fait 12 ans que je suis freelance, que je fais des reportages, que j'ai acquis petit à petit une expérience qui m'a menée vers le journalisme d'investigation. J'ai fait une enquête il y a quelques années sur l'ingérence d'un groupe de Russes dans la présidentielle malgache. Donc ça peut nous intéresser aujourd'hui parce qu'on est en plein processus électoral. Donc voilà, donc j'ai petit à petit acquis pas mal d'expérience dans ce secteur. Et l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir en parler avec vous. Parce que c'est compliqué en fait, et pour vous et pour moi, le métier que je fais. Par exemple, j'aimerais commencer par une question. Pour vous, c'est quoi un journaliste? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Tous les jours, on me contacte pour me dire « Gaëlle, s'il te plaît, sors cette info, j'ai ça, j'ai ci ». Même le président du Sénat me ment. Il se dit « Raya Manjin, il allait prendre la présidence de la République par intérim » et il ment, sciemment, devant les médias internationaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on reçoit des vrais faux documents. Thank you.